C'est l'heure d'aller au travail. Il faut se réveiller, du lac. Se réveiller. A-t-on inventé verbe plus barbare que celui-là? Madame Dulac a la chance de ne pas connaître cet instant pénible, cet arrachement matinal. Ce serait criminel, d'ailleurs, pense Léon. Léon, c'est son mari. Joli comme elle est. Reste. Oh, je vais être en retard. Reste un petit peu. Tu prendras la voiture. Je serai en retard quand même. Je téléphonerai à papa. Oh non, surtout pas ça. Oh, tu prendras un taxi. Un employé de banque ne va pas à son travail en taxi. Oh. Alors, dors, ma chérie. En fait, ce que regrette Léon Dulac, ce n'est pas le fait qu'il doive s'arracher au sommeil. J'en sais quelque chose puisque je suis... Excusez-moi, j'aurais dû commencer par là. Je suis... Vous n'allez pas me croire, je parie. Je suis le rêve. Je ne m'appelle pas le rêve en un ou en deux mots, non. Je suis le rêve en personne. Autrement dit, je n'existe pas. Que la nuit, quand vous dormez, ou le jour, si cela vous arrive. Je dis, vous... En fait, je suis le rêve exclusif de Léon Dulac. Chacun le sien, il ne faut pas mêler les choses. Je disais donc, ce qu'il regrette le plus, mon ami, celui à qui je suis attaché, Léon, c'est donc d'être obligé, en quittant le monde du sommeil, de sortir également et surtout de celui du songe bienheureux. Car bien qu'il ait, au premier abord, l'air fait comme celui de tout le monde, avec une femme qu'il aime, un appartement agréable, un enfant adorable, une bonne assez sotte, un emploi tranquille, Léon Dulac ne rêve que de dormir. Et il ne dort que pour rêver. À quoi? Est-ce que vous rêvez, vous, parfois? Un autre, occasionnellement. Celui-ci pour en finir, celui-là pour... Tenez. Léon, mon Léon, il se rase en ce moment. Il ouvre tout grand la bouche, pas pour soumettre plus aisément sa barbe au rasoir, mais parce qu'il bâille. Il prend son petit déjeuner à présent. Les mouvements de ses bras ne sont pas autant d'exercices physiques respiratoires. Il s'étire. Ouvre la porte de l'appartement. Doucement. Appelle l'ascenseur. Descend ses 6 étages. S'enfonce dans le bruit épais de la rue. Les bruits de la rue. Il plonge dans la bouche du métro. Monte dans son wagon de seconde classe, emporté par une foule de gens pressés, se cale dans un coin. Ah, il va bien falloir sortir de sa nuit, enfin. Tout y contribue, n'est-ce pas? Allez, ne pense plus à moi, Léon, oublie-moi un peu. Rassure-toi, je ne te quitte pas. Car le rêve, avec un R majuscule, c'est les recoins secrets où il peut se tapir le temps pour chacun d'aller vaquer à la vie, à sa vie. Le temps de laisser faire en sorte que la vie passe comme une rame. Soir qu'on se couche. Posez ça là, je signerai tout à l'heure. Une précision vite, Léon est chef de service à la Banque Duchesne. Pas toujours marrant comme boulot, surtout pour un homme comme lui. Ah, s'il n'y avait pas ces dossiers, tous ces sales dossiers sans intérêt. Tu es une femme que j'aime, qui m'aime, jolie et tout, pas sotte, moi non plus je ne suis pas sot. Un enfant qui ait mon portrait tout craché, des disques, des... Et Monsieur Duchesne, le directeur, est présentement père de ma douce épouse. Me tendra un jour, me cédera son illustre fauteuil. Prenez ma place, mon cher Léon. Que se passe-t-il? Monsieur Duchesne prie Léon Dulac, son gendre et chef de service, de passer dans son bureau. Entrez. Monsieur le directeur. Ah, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Comment avez-vous pu laisser faire une chose pareille? Bonjour, monsieur le directeur. Ah, ne m'appelez pas ainsi. J'ai toujours l'impression que vous ne me prenez pas au sérieux. Oh. Mais il le faudra bien pourtant. Car j'attends que vous m'expliquiez, mon cher gendre, cette histoire...
Monsieur de la Salle a son compte vide, alors qu'il m'a surpossédé encore la somme rondelette de 150 000 francs. Monsieur de la Salle a présenté un chèque de 150 000 francs avant-hier. Non, impossible. Il me signale avoir perdu son chéquier et... Les journées sont longues, terriblement longues à la banque. Et il y a des moments, je le comprends, où Léon en a, comme on dit... Et c'est vous que je suis obligé d'accepter de voir me remplacer un jour. Ça promet. Monsieur de la Salle ne va pas s'en tenir là, je vous le garantis. Une somme pareille. Et c'est en plus un ami du ministre. Vous savez qui. Marre. Comme ça n'est pas permis. Comme ça l'est, hélas. Non, il n'est pas fait pour ce boulot, Léon. C'est un rêveur. Je ne dis pas ça pour me flatter, mais... Ah, ne plaisantez pas. Ne m'obligez pas à vous dire ce que je pense de vous. Du reste, vous le savez. En tout cas, cette histoire ne s'arrange pas dans la demi-heure. La foule. Un bon bain de foule, comme disait le général. Oui, Léon a par-dessus la tête de toutes ces agressions imbéciles qui le mangent un peu chaque jour depuis... Tiens, la RATP affiche quoi, là ? Offre d'emploi chef de train 2004, au bout de 12 ans. Et on dit qu'il n'y a pas de débouché. Voyons. Réfléchissons un peu. Et Léon, tu ne vas tout de même pas me faire un complexe de culpabilité. Allons. C'est ça. Sortons marcher un peu dans la rue, respirer le bon air de Paris. En finir. En finir avec quoi d'abord ? Évidemment, comme ça, les gens que tu regardes sans les voir, et même si tu les vois, tu ne les regardes pas, je me comprends. Ils ont l'air, je ne dirais pas d'être heureux, qu'il est aujourd'hui. Mais ils semblent ne pas avoir de problème à première vue de nez. Pourtant, je connais, tiens, j'ai un collègue qui s'occupe d'un type qui a tout pour être heureux. Il est réalisateur à la radio. Réalisateur ? Qu'est-ce que ça réalise un réalisateur, tu peux me le dire ? Eh bien, si tu savais les rêves qu'il est obligé, bien obligé, mon collègue, de lui servir pour le... J'allais dire pour le guérir, pas pour l'aider à... Dis donc, qu'est-ce que tu gamberges ? C'est bien la première fois que je te vois. Que je te suis dans un café. Tu ne vas pas te mettre à boire, non ? Juste un petit verre. On dit ça. Juste un petit... Un petit. Et à ta santé. Allez, rentre chez toi. C'est toi, mon chéri ? Oui. J'arrive. Ton père n'a pas téléphoné ? Non. Mais qu'est-ce que tu as ? J'ai mal au crâne. Je donne le bain au petit et nous passons à table. Allonge-moi un peu en attendant. Non, c'est moi. Et moi seul le responsable. Que dis-je ? Le coupable ? Laissez-moi passer ! J'irai à la santé ! N'aie pas peur, mon chéri. C'est papa. Bigre, ça devient sérieux. Il a l'air décidé, mon Léon. À la santé. C'est pas le bistrot cette fois, mais la prison. Mais oui. Regardez-moi un peu cette façon qu'il a de marcher. Résolu, déterminé. Décidé. Énergique. Ferme. Acharné. C'est moi le responsable. C'est donc moi le coupable. Je ne veux pas que d'innocentes personnes, par ma faute, soient amenées à payer. Vous me passerez les menottes, messieurs. Vous me prendrez ma ceinture. Vous me confisquerez mes lacets. Vous m'arracherez ma cravate. Vous me dépouillerez. La paille humide des cachots ne me fait pas peur. Plutôt cela. Plutôt l'eau et le pain sec. Le seau en émail. Les murs étroits. Le pain dur, s'il y en a et s'il est dur, que l'injustice. Je m'appelle Léon Dulac. Vous n'avez pas une chambre, monsieur le gardien ? Je viens me mettre à la disposition de la justice. Je dis, je viens me mettre... Ne me regardez pas comme ça avec cet air de... Je vous dis... Allez, pas de questions. Faites votre devoir. Écoutez. Ah non. N'appelez pas. Pas de bruit, pas de scandale. Réglons cela entre nous, gentiment, proprement. Évitons les pleurs, les larmes, les interrogatoires, les journalistes, la télé. Pas de publicité. Plus tard peut-être. Quelques lignes. Une petite photo, un titre à la rigueur. Je ne me tiens pas pour battu. On ne se débarrasse pas de moi comme ça. Monsieur Dame, bonjour. Patron, vous ne connaissez pas un moyen, je paierai ce qu'il faut pour entrer là, en face. Je vais aller en prison.
Je peux purger. C'est cela. Oui, je vais faire le mur, mais dans l'autre sens. Charenton ? Pas Charenton. Ah non, mais dites donc, vous pourriez être poli. Quand on vous demande un renseignement honnête, surtout honnête. Il fait bien 7-8 mètres, ce sacré mur. Le bec de gaz là-bas, non, pas assez haut et trop loin. La guérite, ah oui, mais il y a un flic dedans. Ils sont partout. Ah, tiens, bonne idée, je vais pénétrer dans ce chantier. C'est fou ce qu'on construit depuis la guerre. Il y a sûrement une échelle quelque part. Ouais, qu'est-ce que je disais? Je savais que ma cause était juste. Voilà, je n'ai plus qu'à monter et... Oh, c'est haut. Bon, maintenant, il ne me reste plus qu'à sauter pour être de l'autre côté. Je ferme les yeux et... Merci Seigneur, je savais que ma cause était juste. Tu te répètes, Léon. Je fais comme je peux. Le plus difficile reste à faire. Grimper le long du bâtiment pour atteindre une fenêtre. Ensuite... Trouve-moi une solution au lieu de chercher à me décourager. Faut-il que je t'aime? Dépêche-toi. Tiens, lève le nez, regarde. C'est-il pas beau, ça? Ah ouais, tu as de ces trouvailles. N'est-ce pas? Une corde qui descend le long du mur. Faite de draps noués ensemble. Qui glisse le long du mur et qui... Mais dis-moi... Ça vient de tout là-haut, du dernier étage. Ne perds pas une seconde, attrape-moi ça et grimpe. Juste. Hop, allez, tire sur les bras, Léon. Et tes jambes, coince la corde avec les jambes. Allez, encore un effort. C'est haut. Il faut savoir ce qu'on veut. Je le sais. Tiens, regarde. Non, pas en bas, jamais. En haut. Regarde qui vient. Oh, un détenu qui descend. Tiens, vernis. Mais comment va-t-on faire? On est sur la même corde. Lui qui descend et moi qui... Le voilà. Pardon, monsieur, c'est bien par là? Continue, mon pote. Tu peux pas te gourer. Merci, monsieur. Dis donc, j'ai déjà rencontré ta petite gueule quelque part. Ah. T'étais pas chez les Durand de la Vigne Bleue à la Noël? Non. Oh, chez Marcel, alors, le député. Non. Ah, excuse-moi, je voulais pas te vexer. Y a pas de mal. Bon, après vous? Non, vas-y. Ah, pousse pas! Ouais. Et un conseil. Ma cellule, là-haut. Fais comme chez toi, mais ne cochonne pas. Je laisse tout impec. Vous pouvez compter. Dis. Oui. Je peux te demander un service? Oui, oui, mais vite. C'est pas très confortable, la position. T'en fais pas, c'est du solide. Voilà. Bah, j'ai des ennuis en ce moment. Grave? Bah, c'est mon gosse. Il marche pas fort. C'est le latin. Il traîne sur le latin et j'ai pas le temps, tu t'en doutes, de m'en occuper. Alors, je voudrais lui faire donner des leçons particulières. C'est bien, ça. Nec ultra. Il vous faudrait combien? Mon regalorum. C'est que je n'ai pas pensé à prendre... Utiman divest 6. 5000 balles, ça irait? Estresis imperare. Alors, au plaisir. Tu diras aux copains que Marco leur fait la bise. Il n'y manquerait pas. Oh, is. Oh. Le dîner est prêt, mon chéri. Mais si tu préfères continuer à dormir... Oh, il y a longtemps que... La bonne minute. À quoi as-tu rêvé? Tu semblais bien agité. Non. Oh, écoute, tout ce qu'il y a qui ne va pas. Après tout, mon chéri, si ce travail à la banque te pèse à ce point, abandonne-le. Tu es assez intelligent pour... Je t'ai jamais forcé à accepter cet emploi. Mon père y tenait, c'est juste. Et il veut que l'affaire reste dans la famille, mais... Je pensais pas que ça te rendrait malheureux à ce point. Aurais-tu peur de lui? De qui? Mais de ton beau-père. Père?
Moi? Mais peur? Eh ben, je me le demande. Tu me fais rire, tiens. Non, tu ne me connais pas, ma Juliette. Si tu savais de quoi je suis capable. Où sont mes chaussures? Non, maman, enfin, mais où vas-tu? Peur. Tu vas voir si j'ai peur. Prête-moi un peu d'argent, ma chérie. J'ai tout donné tout à l'heure à un détenu qui... Quoi? Ah, c'est incroyable, incroyable ce que tu me fais dire. Mais enfin, mais où vas-tu? Taxi! 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 Que veux-tu faire, Léon? Peur, il paraît que j'ai peur. Réponds. Te mêle pas de ça, toi. Tu ne vas pas faire une chose pareille. Quelle chose? J'ai deviné, tu sais, je te connais. Oui, mal. Tu ne peux pas faire ça. Oui, tu ne me connais pas encore. Tu ne te rends pas compte, Léon. Ah, plus vite, chauffeur! Ça va décidément pas dans ta... Plus vite! Cambrioler la banque, mais tu es devenu fou, ma parole. C'est sûrement anti-syndical. Je vais lui montrer au beau-père de quel bois je suis capable de me chauffer. Fais pas froid. Vous pouvez me laisser là, chauffeur. Vous pouvez me laisser là. Attendez-moi ici. Et c'est alors qu'eut lieu le cambriolage le plus fantastique du siècle. Comme par enchantement, tout réussit à merveille, et que je t'ouvre les coffres, et que je t'empoigne des liasses et des liasses, et que je... Merde. T'en fais pas, Léon, je suis là. Y'a pas à dire, ça s'apprend, c'est un métier, le hold-up. Ça se prépare, comme la robe d'une mariée. Oh, chouette! Le taxi m'a attendu. Allez, allez, en route. À tout de suite. Oh, ils vont nous rattraper, les vaches. Je t'avais prévenu. Oh, fais quelque chose, toi. Ah, faut-tu que je t'aime, toi? Mais qu'est-ce qui se passe? On décolle? On dirait... Eh ben, ça alors, tu as de l'imagination, toi. N'est-ce pas? Ah, eux aussi, regarde. Mmh. Ils se mettent aussi à voler. Oui, enfin, à s'envoler, les flics. Et regarde un peu ces engins aérodynamiques. Quelle poursuite, mes aïeux. Et regarde encore des projecteurs qui fouillent le ciel, comme dans un film de guerre. Mince! Ils vont nous rattraper. Je suis coincé, que fais-je? Saute! Hein? Saute, je te dis! Mais je sais pas nager. Enfin, j'ai le vertige. Saute, c'est ta dernière chance. Bon! Eh ben ça, alors, voilà maintenant que j'ai des ailes. Eux aussi. Eux aussi? Mais comment ont-ils fait? Comme toi, Léon. Mais moi, je n'ai rien fait. Attention, les voilà. Tu es pris, tu es fait, Léon. C'est bon. Messieurs... Je me rends. Mais à une condition, messieurs, j'irai tout seul. C'est moi le responsable, donc le coupable. Surtout pas de larmes, pas de scandale, faisant cela sans tapage exagéré, sans publicité. Quelques lignes, peut-être, une petite photo, 12-18, à la rigueur, plus tard. Merci, messieurs, de votre compréhension. Je vous permets de m'accompagner. Par ici? Non, c'est cette cellule-là. Voilà. Bonsoir, messieurs, je connais le chemin. Aïe! Et voilà! Ouh, ma tête. Mon pauvre Léon. Tiens, je croyais avoir des ailes et... Qu'en ferais-tu dans une cellule? Bon, ce n'est pas tout ça, il va falloir... La corde est sous le lit. Ah, c'est vrai. Tu la prends, tu la passes par la fenêtre, tu l'attaches d'abord, et tu te laisses glisser le long du mur. Oui, bon, je ne suis pas complètement idiot, je sais comment faire, pas besoin de... Excuse-moi. Je grimpe à mon tour, j'enjambe la fenêtre et... Regarde qui vient en bas. Qui monte. Ah, ce n'est pas vrai. Et toi qui ne sais pas un traître mot de latin. Salut. Salut. Tout est ok? Tout est ok. Il n'est pas causant dans le sens montant. Il fait même une drôle de bobine, je trouve. Mets-toi à sa place. Attention, Léon, ne lâche pas. Agrippe-toi. Mais que t'arrive-t-il, mon chéri? Oh, quel cauchemar affreux. Mais c'est pas encore l'heure de... Ah, tant pis, j'ai beaucoup de travail et... Et le bébé qui n'a pas encore pleuré. Oh, je peux pas attendre. Tu es bizarre, mon chéri, en ce moment. Que se passe-t-il? Je t'expliquerai. Et nous revoilà partis pour une nouvelle journée. Douche, rasage... Café au lait, l'ascenseur, ah non, en panne. À pied, les 6 étages. La rue, le métro. Attention pour traverser, le feu est en vert. Mais regarde! Regarde donc! Quoi? La banque!
autour de la banque. Mince, c'est la police, on dirait. Toute la police. Motard ? Car. La foule aussi ? Quelle agitation. Mais qu'est-ce qui se passe, bon Dieu ? Va voir au lieu de rester planté là. J'y vais. Laissez-moi passer, voyant. Je suis Léon Dulac. Le directeur est là. Que se passe-t-il ? Hein ? Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ? Tu as entendu, ce n'est pas croyable. Hein ? La banque a été... Quoi ? La banque a été envoyée cette nuit, paraît-il. Paraît-il ? Eh ben, ça ! Alors ? Oh ! La banque cambriolée ? Cette nuit, eh ben... Viens par ici, toi. Moi ? Oui, toi, j'ai deux mots à te dire. Je t'écoute. Cette nuit ? Oui. Cette nuit, j'ai rêvé ou bien ? Quoi ? Ne fais pas d'imbécile, veux-tu, cette nuit ? Je me rappelle bien, j'ai rêvé que je venais de cambrioler la banque. Je le sais bien, figure-toi. Et ce matin ? Tu trouves la banque effectivement cambriolée. Il y a quelque chose qui... M'inquiète. Et me trouble. Me surprend. M'interdit. Me stupéfait. M'embarrasse. Me sidère. Me bouleverse. Mais fin. Me... Bon, suffit. Oui, oui, enfin, je ne plaisante pas, tu comprends. Moi, le rêve... Rêver, c'est... C'est tout pour moi, c'est... Oui. Il y a des imbéciles comme ça qui disent que rêver, c'est une façon de fuir la vie, les réalités, les vrais problèmes de la vie. Monsieur Duchesne, mon beau-père, par exemple. Alors que c'est tout le contraire. Avec le rêve, les imaginations, on se sent en relation directe avec la réalité. Ce qu'il y a de vrai, de réel en nous, et qui est caché toujours, c'est par le rêve qu'on le retrouve. Le reste, c'est quoi? Le reste est faux. Le travail, l'argent, le succès, l'avancement, tout ça, c'est du bluff, c'est... Dérisoire. C'est douteux. Trompeur. Factice. Artificiel. Illusoire. Mensonger. C'est... Bon, suffit. Oui, alors si maintenant, ce que je rêve devient une réalité, où allons-nous? À moins que, sans le savoir, j'ai un pouvoir. Non, ça, c'est pas possible. Non, c'est tout de même pas moi, ce n'est pas possible. Je le saurais tout de même. En attendant, la banque a bel et bien été cambriolée. D'après la police, le montant du hold-up s'élèverait à... Oh, pas croyable, ça. En tout cas, j'ai un alibi. Cette nuit, j'étais chez moi, dans mon lit. Comme toutes les autres nuits. Juliette pourra témoigner. Je vais du reste l'appeler tout de suite pour qu'elle vienne. Mais personne, Léon, ne t'accuse que toi. Il faut bien qu'il y ait un responsable, un coupable. Alors... Évidemment. Allô ? Allô ? Allô, ma chérie ? Oui, saute dans un taxi et arrive. Comment, où ? À la banque ? Oui, très urgent, très important. À quoi penses-tu ? Oh, ce n'est pas pensable. Quoi ? Il me vient une idée. Une idée. Laquelle ? Oh non, ce n'est pas possible. Dis. Non. Si, dis-le. Non. Et si l'auteur du hold-up était... Qui ? Et c'est insensé d'aller imaginer des trucs pareils. Quel truc ? Et si cette nuit, en effet, mon rêve, enfin une partie de mon rêve, avait rencontré la réalité ? Comment ça ? Et si la partie de moi qui, cette nuit, a escaladé le mur de la prison de la santé, ce Léon Dulac, avait rencontré dans la réalité le détenu numéro... Quel numéro déjà ? 4547. Oui, tu as le sens de l'observation. Ça peut toujours servir. Oui, oui, si... Qui veut dire si c'était lui. Oui. Le numéro 4547, l'auteur du hold-up de la banque Duchesne à son beau-papa. Oui, c'est ça, une idée comme ça. Faut-il la vérifier. Comment ? En quoi ? Eh bien... Non. Pourtant... Non, je ne peux pas faire une chose pareille. Donner un type à la police, jamais, même s'il parle latin. Comment savoir alors ? Je me le demande. Il y a un moyen. Lequel ? Mais... Il faudra que nous nous quittions. Que nous nous séparions, toi et moi. À jamais. À jamais ? Pour toujours, si tu préfères. Pourquoi ? Il suffit que je te quitte et... Que je prenne en charge le type là-bas. L'inspecteur ? Oui. Que ce soit de lui que je m'occupe désormais. Et alors, ce sera possible. Oh, tu m'embarrasses. Je pourrais par ce moyen lui souffler ton idée. Oui, mais il y a déjà sûrement quelqu'un qui l'a en charge. Un collègue, oui. Quel genre ? Je ne le connais pas. Oh, c'est que je me méfie. Je veux bien faire un échange. Je te regretterai. Mais on sait ce que l'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne. Surtout en matière de rêve. Alors, que décides-tu ? Je t'aimais bien, tu sais. Moi aussi. C'est la vie. Il paraît. Tiens,
Voilà Juliette. Tu lui diras un mot pour moi. À Juliette? Non, à ton collègue, pour qu'il... c'est qu'il ne me connaît pas. Le genre de boulot qu'il attend. C'est entendu. C'est affreux. C'est terrible ce qui arrive. Mon père est effondré. Je comprends. Comment ça a-t-il pu arriver? Oh mon Dieu. Oh mes enfants. Oh, papa, mon pauvre papa. Mais enfin, tout n'est pas désespéré. Ils sont sur une piste, paraît-il. Une piste? Oui, l'inspecteur téléphone à la santé. Il est malade? On parle d'un détenu qui juge. Ah oui. Bon, écoutez, je vais aux nouvelles. Excusez-moi. En tout cas, c'est le moment ou jamais, mon chéri, pour toi de chercher une solution. Un autre travail, tu veux dire? Je ne veux plus que tu fasses ce métier qui te rend de si méchante humeur, qui te pèse, qui te diminue même. Je sais que tu peux faire tant d'autres choses plus intéressantes. Ça ne m'empêche tout de même pas de dormir, ce boulot-là. Et justement. Quoi, justement? Un travail qui ne vous empêche pas de dormir, ce n'est pas sérieux. Demande-le un peu à papa. Cela prouve qu'il ne vous tient pas à cœur. Oh, que... Alors, monsieur le directeur. Il a avoué. Qui? Un détenu de la santé. Un médecin? Le numéro... 4547? Comment le savez-vous? Eh bien, comme ça. C'est lui. Il est passé aux aveux tellement ça l'a suffoqué d'apprendre que... Oh, cette nuit, il a fait le mur. Du reste, il avait sous son lit une corde. Faite de drap noué. Je ne comprends rien. Oui, ça ne fait rien, mon chéri. Je respire. Il m'a sauvé la vie. Il t'a cambriolé aussi. Mais en avant, il me sauve la vie. Oh, mes enfants, il faut que je... Je voulais, justement, monsieur le directeur, vous dire... Quoi? Dites-moi tout ce que vous voudrez. C'est au sujet de monsieur de la salle. De la salle? Oui, le chèque de 150 000 francs. Le chèque? Bon, c'est entendu. Il a perdu son chéquier et l'avait signalé. Mais remarquez, je vous comprends. Je comprends fort bien les raisons. Mais je trouve, permettez-moi de trouver, que le ton sur lequel vous m'avez parlé hier... Oh, c'est vrai, ça, papa, bon, c'est non, vrai. Je vous demande pardon, mon petit Léon. De quel chèque s'agit-il? Le chèque de 150 000 francs de monsieur de la salle, l'ami du général. Qui... Non, écoutez, je vous aime beaucoup, mais je trouve que vous devriez vous surveiller, mon petit. Vous faire soigner. Où avez-vous été pêché cette histoire? Non, vous avez encore rêvé ça quelque part. Non, mais c'est pas possible. Il rêve tout le temps. Il passe son temps à rêver. C'est un rêveur. Léon? Eh bien, Léon? Oui. Viens, mon chéri, rentrons. Tu as besoin de te reposer. Un bon somme te fera du bien. Ah, tu crois? Je le crois bien. Hein? C'est moi, ne crains rien. Mon collègue n'a pas voulu accepter l'échange. Alors je suis de retour. Heureusement, j'ai eu le temps, juste le temps, de faire ce que j'avais décidé. Comment? C'est une faute professionnelle, je le sais, mais il n'y avait pas d'autre moyen, j'ai endormi mon collègue. Ça alors... Allez le faire, hein. Oui, tu vas peut-être avoir des ennuis avec ton patron. Allez, viens Léon, ta femme a raison. Tu as besoin, sacrément besoin, de faire un bon petit dodo. Pas trop mouvementé, je te le promets. Heureux tout de même de te retrouver, mec.